Allez, on se fait une dernière écoute sur les enceintes avec l'Onkyo Ategra, le A807, et là ça va être sur du rock, et ouais. Et là sur le rock ça va swinguer fort. Les gars, je vous le dis tout de suite, ça va péter. Ça va péter sur quelle enceinte? Tac tac tac. J'arrive mon fils, j'arrive. Une dernière musique, et après j'arrive. Là, c'est sur les siens, les gars, sur les siens. C'est parti. Choisir là en fait, mais enfin si c'est pour moi c'est évident, mais en fait c'est plus le mariage entre le Onkyo A807 et les Infiniti SM255. Il y a un très bon mariage parce qu'en fait tu vois que à chaque fois sur toutes les musiques il y a toujours un truc qui fait que t'as une alchimie, et voilà. Et là pour moi il y a un très bon match, il y a un très bon match entre les Infiniti et le Onkyo. Donc prochaine écoute, on va se faire ça sur le Denon, le superbe Denon. Et ouais. Le Denon qui est là, c'est un haut de gamme de l'époque. PMA 790. Donc là, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, après, quand on se fera des petites écoutes. Sur
sur du Macintosh ou du Acufaz, ce sera encore autre chose. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Après, de toute façon, pour moi, l'évolution, elle va aller dans le Acufaz. Parce que c'est vraiment un type d'amplification que j'aime bien. C'est une marque que j'adhère, en fait. Comparé à Macintosh, où voilà, ça m'a l'air un peu différent. Mais voilà, on va s'essayer ça. Et aussi, les gars, je vais quand même vous montrer vite fait les amplis. Là, tu vois, tu as le Pioneer A80 qu'on va devoir tester. Haut de gamme, 250 watts, 2 fois 150 watts, excusez-moi. Et le Akai AM 73. On se fera une petite écoute. Voilà, en dehors d'être beau, après, c'est un ampli qui mérite d'être écouté. Bon, ciao les gars, c'est parti.